Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Nous sommes à trois jours de cette retraite spirituelle. Oh, le chiffre 3, symboliquement, c'est le chiffre de la victoire. On n'acclame pas le Seigneur. Là, ce soir, nous avons déclaré la guerre de Goliath. Hier, nous avons su qui était Goliath. Et pourquoi le combat à l'armée d'Israël? Comme nous avançons le dit, nous allons aussi sortir pour le matin. Troisième jour. C'est le troisième jour, Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Ce soir que demain, il y aura des actions prophétiques. Les dames qui n'en font pas, on va vous donner de l'huile bénie. Vous irez avec ça. Voilà. Vous qui n'arrivez pas à vous marier, on va vous donner pour que l'homme de votre vie se mette en marche ou la femme. Pour dire voici ce qu'il nous faut. Voici celui qu'il nous faut. Voilà. Alléluia. Et vous donnera du sel béni pour aller faire des grandes actions. Demain, il y aura l'occasion d'expliquer. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Amen. C'est les choses que vous devez connaître. Amen. On ne pose pas comme ça les actions prophétiques. Dieu n'a pas dit faites le sixième tour. Dieu a dit faites sept fois le tour. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est les choses que vous devez connaître. Amen. Amen. Dieu s'est reposé le sixième jour. Donc, Dieu ne peut pas dire sixième jour. Le sixième jour, c'est le chiffre du repos. Number six is the moment of rest. Alléluia. Amen. Dans les choses que tu veux connaître, à quel moment te répond-elle à faire? How to make a business. Amen. You must know that. C'est les choses que tu veux connaître. You must know that. Je prends l'exemple. Vous voyez les carrefours dans vos quartiers. Les carrefours, les gens utilisent ça beaucoup pour les sacrifices, n'est-ce pas? Many people use them for certain. Ça crée une stabilité, n'est-ce pas? C'est les quatre coins. Stability. Amen. Si quelqu'un veut tuer une personne dans le quartier, à travers de ce sacrifice, il peut avoir quelqu'un. Ou à travers de ce sacrifice-là, il peut prendre la richesse de tous ceux qui sont dans le quartier. C'est les secrets que je dois vous donner. C'est pour ça que quand vous prenez un quartier, vous rentrez nouvellement dans un quartier, que les carrefours vous intéressent. C'est comme l'esprit des quatre vents. Vous parlez pour posséder le quartier. La Bible dit, là où tu fouleras les pieds, Dieu te donne le territoire en héritage. Quand David, quand Abraham, il s'est rendu compte que c'était Canaan, il a bâti un hôtel à l'Éternel. Il a posé une action prophétique. Frère, tu as fait quoi pour que le royaume de la sorcellerie, pour que les choses viennent jusqu'à toi, pour que tu inquiètes les malfrats de ton quartier? Parce que les esprits infernaux rôdent dans les quartiers. Parce que le diable est le prince de ce monde. Amen. Les choses qui arrivent aux gens du quartier ne doivent pas t'arriver. Parce que chez toi, c'est comme l'arche de l'Éternel. Et il y a la présence de Dieu. Amen. Donc ta vie doit être caractérisée par des bonnes choses. C'est pas toi qui dois avoir toujours les enfants à l'hôpital. La guérison est avec toi. The healing is with you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous rentrez dans un quartier, possédez le quartier. Il faut que l'esprit des ténèbres du quartier reconnaisse votre autorité. Il doit savoir qui vous êtes. Amen. On ne rentre pas comme ça. Même dans une maison, vous ne savez pas qui celui qui vous avait précédé, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce qu'il a fait dans la maison. Donc il laisse un esprit dans la maison. C'est pour ça que la maison a besoin d'être consacrée. C'est pour tout ça. Il y a des gens qui prennent les maisons, on commence à avoir tous les problèmes. Ça dépend de l'esprit qui est dedans. Les esprits, on ne les voit pas. Amen. Amen.
Il peut habiter le corps humain, il peut être dans les arbres, il peut vivre dans les rivières. Mais c'est nous qui devons les chasser. C'est qui la Bible? En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, mets-toi au travail. Jésus-Christ ne devait plus faire ce qui. Il ne va pas chasser les démons. Vous savez ça? Jésus ne chasse pas les démons, c'est toi qui chasse les démons en soi. Vous savez ça, moi? Oui, le Seigneur vient délivrer. À mon nom, vous chassez les démons. Sur vous, vous représentez Christ. Il est en vous. Le pouvoir est déjà légué. Utilise ton autorité. Exerce ta autorité. L'autorité, c'est un pouvoir. It's a power. Il viendra pas, il dit, mais tu as rien à ça. You already have it. Je suis sur le trône, il est venu me lever pour aller faire quoi le petit démon. Je suis sur le trône. C'est toi qui dois le chasser. Vous avez dit, à mon nom, vous avez le pouvoir de marcher, c'est les scorpions, et c'est toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Si vous voyez un fétiche, ça ne vous inquiète pas. Le diable aime effrayer les gens. Vous maîtrisez déjà la situation. Et ce qui est en vous est plus fort que le fétiche. Ce qui est en vous est plus fort que le sorcier. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les gens se sont amusés. Ils ont pris l'âge de l'Internet. Ils sont allés avec ça chez les Phéniciens. Ils l'ont introduit dans le temple satanique de Dagon. À leur grande surprise, la statue dragon se prosternait devant l'arche de l'Éternel. Il faut que les gens reconnaissent l'autorité qui est en toi et la puissance de Dieu en toi. Le diable, c'est un, il aime bien lancer les défis. Il aime bien. C'est pour ça qu'il ne jouait pas. Ce soir, Dieu va nous équiper. Il nous donnera l'onction nécessaire pour que nos paroles suffisent pour maîtriser la situation dans nos services, dans nos maisons, dans partout. Nous puissions maîtriser la situation. Dieu est avec nous. God is with us. On avait dit, on n'a pas peur. We do not afraid. What we will. L'ange dit à Marie, n'aie pas peur. The angel said to Mary. Non, des frères. Amen. Les anges ont dit, pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Looking for the one with the Lord. Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est puissant. C'est pas de l'amusement. It's not a joke. Jésus est puissant. Jesus is powerful. Le langage impossible, ce n'est pas un langage humain. C'est un langage humain, ce n'est pas un langage de Dieu. Toute situation qui vous présente à vous n'est pas niche pas. Non. Elle se présente pour que Dieu glorifie son nom. Elle se présente pour que tu aies un témoignage. On parle du cancer, ça vous effraie. On parle du sida, ça vous effraie. Jésus, est-ce que ça sida est plus fort que Jésus? À une seule soirée, il y a eu plus de 66 gens guéris. À une fraction de seconde sous mes yeux. Parce qu'il était donné, le sida était donné mystiquement. J'ai vu des bébés morts dans le ventre qui ont été ressuscités. C'est quelle situation Jésus-Christ de mettre tout ça? Pour qu'on puisse avoir peur. De quoi? Donc, c'est vous qui négligez votre autorité. You are neglecting your authority. Vous négligez. They don't neglect. Vous ne savez pas ce que vous êtes. You don't know who you are. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On n'est pas mélangés. We're not from the world. C'est pour ça qu'ils ne font pas comme les gens du monde. On dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. The world. Mais le monde doit reconnaître ton autorité. Doit savoir qui tu es. Vous venez ici, vous les sorciers de hébrier, c'est mon, je le sens là où vous les détruisez. J'envoie un fétiche. Depuis la maison, j'ai scanné ça. Il faut que Dieu vous donne des dons. Amen. Alléluia. Il m'est arrivé par moi, j'ai pris les cas où j'ai dit au chauffeur, fais attention parce que dans telle semaine, tu vas mourir. Le cas va faire ça. Mais ils sont en fait les dons. Ils sont appelés dans le fond, vous avez les dons. Mais les choses arrivent comme ça.
Regardez sur toi. On dit ask, il est au don. Ça dit, il faut aimer. Si tu aimes Dieu, donne. Est-ce que ça veut dire un peu? C'est la parole de Dieu. Les dons sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous partez au marché, il y a Dieu au berger, il y a Dieu à Thomas, n'est-ce pas? C'est ce que tu viens acheter avec la chaîne. Le Saint-Esprit vient et tout. Ce soir, vous serez bénis. Amen. Amen. Ce soir, vous serez bénis. Les choses vont se réveiller en vous. Oui, il faut que les choses se réveillent. On va les enfants, on va vous tirer. On t'attache une âme. Un enfant de 2 ans. How can the kids? Qui l'a pitié de mettre Eve? Toi qui mangeais un chap chap. Tu manges Eve. Non, 18. Tu vois, tu chicotes. Like it. Et tu sais pas. What's that? Le petit te gère. And then the kid masters him. Il a dit à son papa, mais il est là. Father, il dit, mais où est le papa? Quand tu viens chercher sa femme, il dit, mais le papa est là. Il dit, mais le sommeil. The father was present because c'est les choses qui doivent nous arriver. Thanks. Parce qu'on a la puissance de Dieu à nous. You know, happen to us because we have the power. Vous savez pas ce que le Saint-Esprit fait? Vous avez toujours les mêmes. Une petite maladie, ah, ça vous effraie. Just a small sickness and then you're afraid. No. No. Ok. La maladie se présente. A sickness can be to you. Pour que tu rends témoignage. So that you can give a testimony. Amen. 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 Jésus dit non. Cette maladie-là, c'est pas pour la mort. It's not for death. La maladie de Lazare. The sickness of Lazare. Mais c'est pour la gloire de Dieu. But it is for toute situation qui se présente, un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Quel homme conçu qui va te refuser visa? Aucun refuse. Sorti, n'a qu'à aller mettre ça dans son anus. Il va déféquer ça, excusez-moi. Tu arrives à voir. Coco va venir dedans. Amen. Vous tremblez devant le diable. How can you tremble for the devil? On m'a dit partout, il a où confessé son péché. Confess all the sins. Là où vous savez que vous gênez. And now it's not fast. Là où vous savez qu'il y a somme 35. Là où vous savez que la Bible va mettre son chevet de lit. Then you know that you. Là où vous êtes chrétien. Bible, then you become a Christian. Vous sérieux au village? Serious in the village. Vous connaissez pas la sorcellerie. Vous savez pas que ma fille est là, vous scanne. They can even detect you from Abidjan. On est chrétien tout le temps, c'est une vie. Our Christian for whole life. C'est pas pour un temps. Yeah, not for a time. Tu as quelqu'un prend ton sérieux. Prends ta vie chrétien au sérieux. Vous savez parce que nous représentons le jeu de Dieu. C'est nous qui donnons raison à ces démons, ces sorciers. We don't have to give right to those devils, to those. Amen. Amen. Mais ils ne me disent rien. They say. Pas parce que je suis crasso. Crasso, c'est quoi, c'est j'ai connu Jésus tout récemment. Mais c'est parce que j'ai vu la puissance de Dieu que je me suis converti. Je ne suis pas né chrétien. J'ai vu la puissance de Dieu. Donc, je comprends. So I understand que pour voir la main de Dieu, ça dépend de moi. It depends on me. Le Dieu ne doit pas m'effrayer de ce qui est Jésus. God must not pray for me. Vous marchez quelqu'un de fort, vous avez le coup tremblé. How can you tremble if you work with someone who is stronger? J'ai quelqu'un Jésus. C'est someone. Alléluia. Amen. Vous allez recevoir ce soir la puissance de Dieu. Amen. Dieu va déployer son onction. Dieu va déployer sa puissance ce soir. L'humanité a besoin d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Glory and the power of God. Nous parlons, les gens ne voient pas la main de Dieu. Talking, but God. Donc ça leur fait bien. They don't. This is not their part. Les choses qui arrivent, il faut que Dieu nous les révèle. Mais rien. Ils sont détruits. Demandez à ce vieux là. Prochainement, s'il parle, il va m'écouter. Tu oui. C'est pas là. Adro. Bref, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné les parties, il a tout dit. Il dit ça va bien, c'est ça? Oui, ça va. Ça a quitté maintenant? Oui. Gros, il n'y en a pas gros. Vous connaissez gros. Il est en solo. Gros.
Faut tout faire dans ma vie. Hein? Faut tout faire dans ma vie. Lui, on paye ça, hein? On paye lui, là, hein? Oui. Jésus, je ne vais pas en prendre. Maintenant, je suis là, pauvre Saint-Valent, je vais vous dire. Mais si, après ta vie, je vais te donner. Je délivre toi, je donne toi les 8 cadeaux. Non, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, mon gars, c'est là. Hé! Lui, là, il va aimer. Il va le dire. Il dit, il va danser canapé. Bon, donne-moi une bouteille. Je donne un cadeau. Il est lit comme Pierre ou bien. Il est sa face là. Tu es lit comme Pierre ou bien. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Jésus. Ah Jésus. Jésus. Seigneur Jésus.
Seigneur. Seigneur. Merci. Jésus, merci. Merci. Amenez les gens à expérimenter la bonté de Dieu. Oui. Oui. Il faut être amour. Reste là. Ça va? Oui, ça va. Je l'ai fait. Pourquoi? Amen. À cause de Jésus. Amen. Est-ce qu'on fait la vie du Seigneur? Donc, fétiche, il n'y a rien dedans. Fétiche, il n'y a rien dedans. On attend Jésus. C'est merveilleux. Il n'y a rien dedans. C'est merveilleux d'attendre ça. Non. Il y a des gens qui sont tentés, même qui sont tentés, qui sont tentés toi-même. Mais il y a rien dedans. Jésus là. Non, fini. T'as entendu quand même? Moi, le août, le 5 août, le 10 août, je suis ici. Chaud. Je suis ici. Je viens. Ah bon? Je suis ici. Je ne peux plus rester. Jamais. Amen. La Jésus en moi. La Jésus en haut, il s'est payé ma vie. La Jésus en haut. Yeah.
Maintenant, les camarades. Non. Propre. C'est mon électrique. Avant. Il n'y a pas d'eau, non? Tu vas te croire. Oh, c'est. Trip, bibi. Eh, foufou. Sois gré. Maintenant, c'est fini. Non, c'est fini. Tu vas au village. Et puis, mamie dit. Bon arrivé, il y a six plats. Il y a un vieux, il y a. Non. C'est grillé, tiens, la nuit. Non, c'est pour lui, c'est tout. Il y a beaucoup de grillé. Il y a beaucoup de grillé, la même. Il reste bien poulé. Jésus est merveilleux, la gloire du Seigneur. Maintenant, ils allaient encore bien poulé. Non, pas mon jeune. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. J'ai appelé. J'ai beaucoup de poulet. Oui. Tiens, Amour et tout. Be a friend.
France, c'est chocolat, va lui dire, mangez une grille. Ton fils est encore une note. Tu regrettes, non? Convertis. Et vous assoyez, Dieu bénisse. Moi, j'ai fait toujours une prière à Dieu qu'il m'aide à aller dans le coin où il y avait Pygmée au Cameroun, quand bon, on voulait prêcher l'évangile. Je veux voir les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus se convertir. C'est ma prière, ça. Rentrer dans la forêt, quand tu restes sans lui, il peut aller prêcher l'évangile à ces gens-là. Je m'en prie. Pourquoi vous allez planer à Paris, non, non. Il y a une autre manière de voir. Je vais prêcher à celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Oui, c'est pas du tout. Dieu t'aime. God bless you. Il t'a pardonné tout. Everything. Everything. Regarde, la tête, non, je ne suis pas Dieu, pardon. Non. Pourquoi m'envoyer l'appel de Dieu? Non, Jésus, je comprends, mais je ne dis pas Dieu. Va t'asseoir maintenant, hein? Voilà, d'accord, t'asseoir. Tu ne peux pas Dieu. Amen. Dieu, il est là. God is here. À lui seul la gloire. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Vous savez, il est vraiment important pour nous de manifester l'amour. Amen. Je vous parlais de la possession. Quand vous êtes dans un endroit, il faut posséder l'endroit. Comme ça, si il y a des maladies mystiques qu'on envoie, votre maison est mariée. Lorsque l'ange de la mort devait visiter le peuple égyptien, il a fallu une action terrible. Dieu dit tuer les agneaux, n'est-ce pas? Il prenait le sang et mettait sur les linteaux des portes. Ce signe-là faisait que l'ange de la mort ne touchait pas à toutes ces maisons où il y avait le sang de l'agneau. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Je trouve que c'est vraiment important de la consécration. Allez, il faut comprendre. Mais la prière ne suffit pas. Il faut marquer. Quand vous lisez un peu le psaume 89, verset 21, Jésus dit, Dieu dit plutôt, j'ai choisi David mon serviteur, j'ai le point de mon huile, j'ai le point de mon huile. Ne jouez pas. Quand vous avez quelque part une maison, consacrez la chose. Vous avez un bureau, un nouveau poste, consacrez le poste, le bureau. Ne jouez pas avec ça. Or, le problème des chrétiens, c'est la négligence. Nous négligeons tout. Non. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans le quartier, il faut que les esprits respectent. Ah oui. Parce que les mystiques sont partout. Because mystical people. Vous avez écouté les aveux des sorciers. Have you heard? Il connaît ton dénigre. Il sait que tu as une étoile. Il sait que tu es quelqu'un d'important. Mais c'est ce qu'il détruit. Vous comprenez? Quand vous êtes dans un endroit qui est calme, déjà quand vous voulez prendre une réponse, consacré, vous allez me dire, mais comment on fait? Vous levez, vous avez votre huile, discrètement. Il n'y a pas d'aller crier, feu, cadet. Il y a des gens, franchement, quand ils commencent à prier, tu oublies de dire, monsieur, tu n'es pas le seul chrétien dans la maison ici. Le feu sur le lit, sur le drap, dans la cuisine, dans le WC. Allez, le feu.
Et tout le quartier est dérangé. The father is disturbed. Moi, quand j'ai pris à peine, on m'entend. Il peut faire une heure, deux heures. C'est l'intimité entre moi et Dieu. Amen. Petit, ma vie, écoute. C'est le prix de combat qu'on a l'église, on a les prières. Mais dans ta chambre, c'est toi et Dieu. Laisse le voisin tranquille, t'as quel problème? On va bien l'écouter. On veut combat. Fille de nos aides. C'est pas tout le monde qui parle. On dit désormais à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui sera fait, je suis carrefour. Pour, n'est-ce pas, pour céder de toutes nos bénédictions, je détruis et je rentre en possession de tout ce quartier au nom de Jésus. Tu verses lui. C'est fini. Même ta maison, tu verses lui là, non ta maison. Si quelqu'un est mystique, il rentre, ça détruit son pouvoir. Claire. Ce qu'il a envie de faire là, ça détruit ça via la porte. Vous comprenez? C'est que votre porte. C'est consacré à Dieu. Amen. Il vient avec les mauvaises intentions, déjà la porte, tout est détruit. Quand vous voulez partir, tel que service, c'est pas fait des fétichismes, non. Mais c'est important pour nous. Amen. C'est important. Vous prenez de l'huile. L'huile là doit être chaque jour avec vous. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Comme je disais en France, il y a un enfant qui est né en France. Il est tombé malade. Il a demandé à sa maman, je veux lui pour faire une crasse. So his mother liked the oil. When he took it, ça s'arrête le monde. Le monde est bon. Ça arrête. Sickness stops. Que Dieu nous aide. Amen. May God help us. Alléluia. Amen. Nous devons démontrer la puissance de Jésus-Christ. Le diable doit reculer. The devil must not go back. Le diable a peur. Must be afraid. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Quand vous bénissez à vos parents, when you come here with your parents. Amenez-nous à les aider. Yes, so that we can help them. Hier, il y a une dame là. Yesterday, I saw sorcière. Woman. Ils sont pas partis avec elle. Bon, je me pose la question, vous venez pour quoi? J'ai posé, elle dit non, ils n'ont pas l'argent pour manger. J'ai dit au pasteur, Charles, dit, bon, moi je m'occupe de leur séjour. Parce que ce qu'ils ont comme élément, c'est dangereux. Elle dit non, ils vont aller consulter la famille d'abord. Donc vous n'avez pas vu toute la famille avant de venir la fête de Dieu. C'est pour que j'ai une sorcellerie. You know, witchcraft? Bon, on t'a dit, voyez ton sorcier. But confess you that here is your sorcery which you have ready to go. C'est le seul endroit où on est, on ne, il n'y a pas de maltraitance. Où on est, je suis que ton sorcier sera délivré. Amen. Le maréchal même met la main sur ta sorcière. Je suis prêt à gérer le dossier rapidement et tu t'en vas avec. Tu penses que Dieu est là, il n'est pas épuisé. Respectez Dieu. Tu vas aller quelque part, ça n'a jamais marché. Par exemple, tu mépris une action d'un homme de Dieu. Tu vas quelque part, c'est le même Dieu, ça ne marchera pas. Parce que nous, c'est notre spécialité. Tu vas aller où, ça va avec notre spécialité. Donc ici, quand vous venez, peut-être vous ne savez pas, mais nous avons le don. Moi j'ai le don. Les sorciers, vous voyez là, c'est des grands menteurs. They are the real life. C'est des nieurs. Si tu veux goûter bout de sorcier, hein, tu vas mourir. No, listen to them. Ils sont premiers à gérer. Les premiers à gérer sont les sorciers. Moi je leur ai posé la question, mais pourquoi vous mettez dans les problèmes? Ils disent non. Souvent, c'est comme ça, dans leur confrérie. On ne répond pas vite. C'est une faiblesse. Il faut résister d'abord. Il dit, mais vous résistez là où tu es. Il dit, non, mais c'est comme ça. That's donc, c'est dans leur, ça fait partie de leur cerveau. Part pourquoi? Parce que ce qui est en eux, c'est l'esprit du diable. Donc, le père du mensonge. Vous comprenez? Nous, on a le Saint-Esprit. Comme tout dans quelque chose, on oublie de dire la vérité parce que so on n'a pas envie de mentir. On sait que les choses sont mises à nu, c'est la vérité, mais on oublie de dire. Or, eux, ils sont allergiques à la vérité. They don't like the truth. Ils n'aiment pas la vérité. They don't like the truth. Et la stratégie, ils vont dormir vos consciences. Ils vont d'abord traverser la conscience des enfants. Disturb you. Pour que le jour où elle est démasquée, ou les démasquer, ils vont dire, ah non, when you comment maman va être sorcier.
How can my mother be a witch? Qu'est-ce que toi tu enseignes? Tu as quel pouvoir de détecter ça? Which part? What power do you have to detect? C'est pour ça que en matière de sorcellerie, soyez neutre. So, vous comprenez? On va dormir chacun sait où il s'en va la nuit. Every night, on est là, on prie, every on night, voyage. La sorcellerie existe. Donc si quelqu'un était épinglé, qu'on veut délivrer, mais venez-nous aider la personne. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Maman était sorcière, mon père, on allait tous mourir. C'est pas question de tout mourir, hein. Il peut prendre votre bénédiction. Vous mourrez à petit feu, vous êtes là, rien ne bouge, rien n'avance. Parce que le jour c'est continu même. Le jour on arrive à son tour et puis dit non, bon ma fille Yvonne la prenez sa chance de marier. Et puis dépasser moi. Okay. Et ils prennent ça, ils vont vendre ça ailleurs dans une conquérie en échange de cadet. Hey, la sorcellerie. Witchcraft. C'est mon domaine. Je connais ça et quand. C'est pour ça que le diable m'attaque, parce que je vous ouvre les yeux. Si vous voyez qu'une personne qui a été démasquée de la sorcellerie, qu'elle s'agit d'être un palabre. Mais frère, quand tu es innocent, tu te tais. Tu t'agis pas. Tu vois quelqu'un qui t'agit. C'est qu'elle est là. Mais si tu es innocent, c'est Dieu qui va te justifier. Tu as quel mot pour placer? Men's responsibility. Ils aiment bien se justifier. Voilà. Oh, dans ça, on ne voit pas palabre. Tu l'appelles pas là comme une éclair. Oh, il y a les gens qui sont comme des éclaireurs. Dieu a donné la révélation de dire, ta maman est dedans. Il y a des gens qui Dieu donne la capacité de voir. Et cette personne est là, immédiatement rejetée de la famille. Mais quoi, tu peux te donner maman des sorciers? Pourquoi tu peux te donner maman des sorciers? Oh, Dieu, dans sa souveraineté, il va faire sortir ça un peu. Malheur pour toi, juste à balancer son genre. Frère, brother? Nos parents, là, si nous n'avons pas encore mangé, à cause de la grâce de Dieu, là. Ça ne dépend pas d'eux. Hein. Ben, c'est pas eux qui nous ont créés. Hein. Ils nous ont mis au monde. Ils ne sont pas nos propriétaires. C'est pour ça que Dieu nous préserve souvent. À cause du fait qu'il veut aller loin avec nous. Oh, la grâce est un don immérité. C'est maintenant ce qu'on se rend compte qu'on a grandi au milieu des sorciers. Et puis nous n'ont pas mangé. C'est vrai qu'ils ont gâté des petites choses, mais on ne s'est pas retrouvé dans une sorte de tomate. But we have not been attacked. Avec un peu d'indolé. Ouais, Cameroun, j'ai mangé une indolé à Paris. C'est trop doux, hein. C'est quoi un indolé? J'ai banalisé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Tout le monde en a mangé, c'est très doux. Yes. Je remercie le peuple camerounais. Les gens l'aiment beaucoup, les Camerounais. Beaucoup. Il ne pas créer des jalousies, mais plus que les Ivoiriens. Je le dis parce que c'est moi qu'ils appellent tout ça, je sais. Comment ils soutiennent mon combat. They support my fight. Comme nous, les Ivoiriens, on est experts en gâter nos parents. But on prend nos parents, les mains en prison, les gardes. On n'aime pas ce qui est des choses, on garde ça bien. Ah, ils voient ça comme une bénédiction. Que Dieu a accordé à l'Afrique. Et nous, on regarde. Donc, frère, cette histoire de sorcellerie, là. Si vous voyez quelqu'un, il dit ça n'existe pas. Fuyez-le. Il n'y a pas de discours. C'est-à-dire, on ne discute pas. Il y a des gens sur lesquels on va discuter l'existence de la sorcellerie. Si quelqu'un nie ça, quittez-le. Parce qu'il va te tuer. Tout ce qui est un nom existe. Everything with the name exists. Même les blancs. C'est les premiers à combattre la société. White people. Arrêtez ça, c'est les premiers. Ils ont combattu la société. First. Il y a tout le monde donné le nom des gens qui ont combattu, ont fait les premiers combats. Tout ça va sortir dans mon livre. Et ils jouaient pas ça. Ils prenaient les sorciers, les brûlaient. Il y avait le bûcher. Ils jouaient pas ça. Didn't kill themselves first. Les Africains, vous êtes trop superstitieux. Vous voyez le diable partout. Mais moi, je n'ai pas avancé. Si il avance, the devil everywhere. Qui m'a bloqué? C'est Dieu. Who stops me? The devil. Parce que je ne sais pas la part des choses. Dieu me fera avancer. Le diable m'empêchera d'avancer. Go ahead. Ah,
But the devil, c'est ça le discernement. Il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable, puis les œuvres de Dieu. Donc ça ne va plus. Mais je rentre au garage spirituel dans la prière pour briser cette barrière, pour avancer. Nos idées ne peuvent pas nous faire avancer. On est intellectuel, on a des diplômes, on a des choses. Donc je retourne dans les situations vraiment très bizarres. On se pose la question, comment se retrouver là? Mais le problème est spirituel. C'est carrément spirituel. Oh, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Demandez à ce vieux-là si sorcellerie n'existe pas. As for that old man, if witchcraft does not exist. Donc quelqu'un vous dit, quittez-le. C'est ce que la Bible dit, fuyez les discussions vaines. C'est une discussion vaine. Laissez-le. C'est un enfant de Satan. Donc il défend son papa. Laissez-le. Ne l'écoutez même pas, laissez-le. Don't listen to him. La Bible dit que la sorcellerie existe. Amen. La Bible en parle. La Bible dit que ça existe. Pas qu'il nie les faits. C'est ce que la Bible dit. Vous dites là. Quelqu'un va me lire la parole de Dieu. Écoutez-moi. Ce soir, nous allons faire beaucoup de choses. Hein. Amen. Voilà, parce que ce soir, c'est vraiment un jour très important. C'est le troisième jour. Mais laissez-moi vous éclairer. Pour vous dire, en réalité, ça cause du diable qu'on n'avance pas. Je vous ai expliqué ça dès le premier jour. Comme il est venu séduire l'homme. Oh, dans ma version parole de vie, le Exode 22, le verset 17. C'est une des meilleures versions tellement. Et il y a beaucoup de bibles, comme ça vous allez comprendre. Il y en a plusieurs des bibles, il y a beaucoup de versions dans mon salon, au chevet de mon lit, tout ça. J'aime bien la parole de Dieu. Exode chapitre 22, le verset 17. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. C'est écrit dans la Bible noire si. Il y a quelqu'un, donc vous avez chaud ce soir. Hein? Il y a quelqu'un, donc vous avez chaud. Hein? Dans d'autres versions du magicien, la version du second. Mais la parole de Dieu nous révèle les choses, tu dis, sorcière. Amen. Je vais attaquer ça tout à l'heure. Moi qui ai l'habitude de dire, ah non, laissez les sorciers, ils vont se repentir. J'ai changé le langage ce soir. Parce que ça a été une question de Goliath doit tomber. Donc je vais expliquer un peu. Donc, le débat sur la sorcellerie, c'est clos. Hein. The debate on witchcraft is over. Il y a des gens, des émissions de télé. Il y a des, mais pourquoi vous trouvez un problème en ça? Pourquoi vous trouvez qu'il y a un problème? Bon, le problème, il est où? Where is the problem about witchcraft? Pourquoi on parle de ça? Mais parce que ça commet assez de dégâts. Because this is damaging people. Quand Ebola tué là, on ne parlait pas de ça? Vous savez qu'on dit maintenant on peut manger les viandes, non? On dit que la route sortait de prier. Eh Dieu, pourquoi vous m'écoulez fini? Ils ont chez nous à vous dire, hein. Nous-mêmes, on mangeait un peu. Ah ouais, aïe. On a fait des boulas, non, on mangeait. Non, on a brûlé ici. Tu as venu dans ma mamie, tu fais chasse. C'est là où il faudrait vous dire, non, attends, il est dans ma mamie. Ah, amen. Amen. Donc maintenant, on dit, on mange. Donc vous êtes morts avec nous. Vous avez grandi. Alléluia. Donc le débat sur la sorcellerie. Quand il y avait la maladie Ebola, on demandait aux gens, non, lavez les mains, avant de manger, ne faites pas ça. On regardait la mamie des gens dans le restaurant. Ah. C'était pourquoi maîtriser la situation. Bon, le sujet de la sorcellerie. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Oh, c'est dangereux. On ne parle pas de ça, mais ils tuent. They kill. Mais tu penses que ça existe? J'ai dit, mais attendez. Donnez-moi le nom de quelque chose qui existe et qui n'existe pas, quelqu'un, non? Ça n'existe pas, pourquoi on va chercher à donner un nom? Ah, on est malade, quoi. We're sick. Bon, ça n'existe pas, puis tu cherches. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelque chose qui n'existe pas, toi tu vas donner un nom à ça. Pourquoi? C'est ça, je dis, mais vous êtes intellectuel. Mais j'ai l'impression que l'intellect est un problème. Vous ne réfléchissez pas très longtemps. Mais oui.
et dans ta guénave. C'est quelle manière d'être intellectuel? Bon, quelqu'un dit que c'est sorcellerie. Quand vous partez dans le dictionnaire français, on vous donne l'explication. L'explication de la sorcellerie. Ça veut dire que c'est un mot, mais qui a son sens. Ça veut dire que ça existe. Puisque ça apparaît même dans le dictionnaire. Mais pourquoi vous dites que non, c'est des choses qui n'existent pas? C'est quoi ça? Si vous n'êtes pas censé connaître certaines choses, les égouts, ceux qui mettent la chose, on n'est pas censé tout connaître. Or, si vous combattez ceux qui connaissent la chose, c'est que vous êtes des agents du diable. Or, la stratégie de Satan, c'est vous maintenir dans l'ignorance. La plus totale. Les gens disent, on pensait que la sorcellerie, là, c'était au village. C'est ignorer la sorcellerie. C'est d'abord au travail de notre ministère que les gens su qu'on peut sortir à Paris. Comme un monsieur qui a mangé, comme le monsieur, il aime les frites. Tout ce qu'il a en ce moment, la femme là. Elle sort Djumbe. À Paris. Il mange des trucs de sa femme. Je lui dis, mais toi-même, tu viens à Paris là. C'est pour faire des trucs comme ça. Tes amis meurent dans l'eau. C'est venu à Paris. Il dit, mais lui, il est parti à Paris. Elle s'est. Donc tous les nuits, pendant que son corps à Paris, il est ici à elle. Paris, can be here with us. Amen. Dieu existe. Amen. God exists. Le diable aussi existe. The devil. Il a ses œuvres. With his actions. Alléluia. C'est ce qu'ils sont en train de vous révéler. Or, si nous révélons les œuvres du diable, nous demandons aussi les moyens pour combattre ces œuvres. Mais oui. Parce que Jésus a dit, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parce qu'il y a les œuvres que Jésus dit qu'on détruit les œuvres du diable. Amen. 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 Alléluia. Ce soir, il y aura des grandes choses par la grâce de Dieu. Amen. Le diable lâchera vos vies. C'est une obligation. Au nom de Jésus. On va vous délivrer. Celui qui s'amusait, moi, à faire des sorcelleries, là. Depuis le mois de septembre jusqu'à décembre. Si vous avez vos parents ici qui les têtus, c'est fini, hein. Si les gens ne peuvent pas être délivrés, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Ils ne peuvent pas être délivrés, ils peuvent rester là-bas. Faut pas les envoyer ici. Ils ne peuvent pas les envoyer ici. Vous voulez être délivrés? Ils ne peuvent pas être délivrés. Hein? Vous êtes fâchés ou vous êtes sorciers? Non, je n'ai pas des sorciers. In anger or not, to witches or sorcerers. On n'a pas en train de les humilier, hein? We're not yet. Le prophète, il humilie les gens. Attendez. Pourquoi vous voyez l'aspect, il fait confesser les gens. Mais voyez la profondeur, en profondeur. Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Better ask yourself. Mais c'est ça, il faut objectif. Ne regardez pas seulement l'aspect, les gens viennent pas devant tout le monde, ça fait honte. Non. People to come in front of people. Après les aveux, est-ce que le sorcier est délivré ou pas? C'est la question que je dois te poser. Je suis aujourd'hui à 1000, à 2000, 8000. 223 sorciers, c'est-à-dire depuis que je suis arrivé de Paris, je n'ai pas encore fait de délivrance. C'est bien changé de fait. Bon, 224 plus le. Ce qu'on compte, 224 plus le vieux Roger délivré. Mangeur de tripes avant. Est-ce mangeur de tripes? Il est délivré maintenant. Ça fait 223, 8223, 24 sorciers délivrés. On compte? Vous l'avez entendu lui-même. C'est pas quelqu'un. Il a refusé de faire des aveux. Mais vous me prenez, votre curiosité doit vous amener à faire des recherches. Ne soyez pas carré dans la tête. Vous dites, comme ça n'existe pas, non, moi je ne cherche pas à savoir. Mais c'est dangereux. C'est ignorer une partie de la vie. Tu m'as bien saisi. Amen. Nous nous croyons à ça. We believe in it. Et nous sommes prêts toujours à martyr la société. Ça existe. Ça existe. Ah, parce que vous êtes pour qui t'as dit qu'il est africain pour? Qui vous a dit ça? Pour vous, laissez pas tranquille. Bon, on est pour rechercher. Why don't you wait, Ça
Tu dis aux blancs, restez chez vous. Bombe, on prend pour nous bombarder ici, dans les problèmes. Frère, ne regardez pas l'Afrique comme la pauvreté. Nous tombons pas en haut. Non. C'est ce que les gens veulent mettre dans la tête. That's what people like to put in their mind. Toi, Africain, tu es un homme riche. Dis amen. Tu es riche. Pourquoi vous marchez la pauvre, la mentalité des pauvres? Pourquoi? N'ayez pas ce complexe-là de moyens blancs. Ça, nous ne pouvons rien. C'est le pouvoir, notre pouvoir satanique. Ce qui nous détruit. Dans toutes les familles africaines, il y a une fétichisme. Regardez la conquête des terres. Faites des recherches. Pour posséder une terre, pour faire un village. C'est dire qu'on a combattu des personnes qui étaient là, on les a chassées. On a pris des personnes comme esclaves. Ça va être toujours comme dans les villages. Et puis, on crée un village, et le fétiche est là, les hôtels sont là, c'est comme ça. C'est dans ça qu'on a grandi. Et j'ai les esprits sont là. Or, dans chaque famille, il y a un esprit, la sorcellerie, mais pas un esprit. Le monsieur qui avait l'esprit en lui meurt, mais l'esprit est là, il va rentrer s'incarner dans une autre personne. Il y a des personnes qu'on va à l'école, perdre un moment, tout est bloqué, mélangé, on a des diplômes, on rien. Amen. Donc, ce n'est pas une question de les humilier. It's not a matter of humiliation. Regardez, si j'étais là, j'étais assis comme nous là, ça n'a rien leur dit. Il faut qu'ils sentent qu'ils ne sont pas comme nous. They must know that. Amen. Est-ce que vous avez dit? Il faut qu'eux même ils sentent en eux qu'on n'est pas la même chose. D'abord, ça va commencer à jouer sur le psychologiquement. Il faut qu'ils échangent. So allow them to. D'abord là. To change. In the mind. Mais on les met, même de nous, ça va leur dire. Pas en réalité, on n'est pas la même chose. Pendant qu'on dit maman, ils nous voient en porte. Pour les briser. Because we can see us as mean the chicken. Cabri, c'est que c'est des cabri. Michoui. Voilà nos chers pour faire barbecue. To use of the flesh. To do what they want. Elle n'est pas la même chose. We're not the same. Pendant qu'il est salé comme ça, lui veut me manger. While greeting him. Vous comprenez? C'est des vampires. Ils boivent le sang. Vampires. Donc, on les met de côté. Pour dire en réalité, vous êtes là, pourquoi on vous soigne? If you are by this side, we must heal. Vous ne vivez pas comme nous. Because votre mentalité, vous m'en avez de voir changer. La nuit, vous envolez des bonbons. You fly at night. Amen. Amen. Or, le sorcier, quand il est démasqué, the sorcerer, ça neutralise d'abord son pouvoir. When he is denounced, voilà. Ils sont ténèbres. Quand ils sont mis à la lumière, à la nuit, à la lumière, ça les bêtise d'abord dans un premier temps. Un autre grand pas, c'est les aveux. Oulala. Là là. Pourquoi? Parce que quand ils prennent serment, on leur dit de ne plus, de ne rien dire. Donc quand le sorcier commence à faire les aveux pour dire les sorciers, il a fait ça. Quand il dit le nom des gens, il l'a tué, par exemple. Les gens qui l'ont gardé, c'est fini. Son pouvoir, il s'est déconnecté du pacte qu'il avait tissé dans le royaume des ténèbres. Donc quand il finit de parler, il peut le délivrer. Mais un sorcier qui n'a pas encore fait d'aveux. Tu ne peux pas. C'est pour ça que la Bible dit confession les péchés les uns. Prends Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Vous allez comprendre, c'est dans la Bible. C'est qui sont les péchés là? C'est biblique. Pourquoi d'autres ne réussissent pas ça? Parce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, ils ne savent pas comment commencer, comment finir. Nous, quand on envoie un sorcier, on sait comment commencer à lui, comment finir à lui. When we have a sorcerer, we know how to start. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les uns aux autres, vous comprenez? On n'a pas dit à Dieu, on dit les uns aux autres. Ce qui m'a fait là, tu viens qui dit les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Confie la confession, vient l'étape de la prière. Afin que vous soyez guéris. Maintenant la guérison vient après. Vous voyez les étapes? La confession d'abord, après quoi vient la prière de la délivrance, et Dieu restaure la personne. Mais on n'a pas franchi la première étape et puis on veut prier. Mais ça n'a pas marché.
Confessez d'abord vos péchés, et puis après priez, et vous serez guéri. And pray. Voici le cheminement. God may be healed. Voici comment ça fonctionne. Ah, nous chez nous c'est pas comme ça. Voilà chez vous. On s'en fout de ça. La Bible dit, voyez ce que je vais faire. Si j'ai fait ça. Bon, elle dit ça marche pas, oui ça marche. Maintenant ton problème est où? Tu t'es plaint parce qu'un sorcier est délivré. Okay. Et toi-même, tu n'es pas bon. Mais un sorcier, c'est un mangeur d'âme. Il est délivré là. C'est mauvais. Is it bad if the sorcerer is donc il y a les débats dans lesquels vous ne devez pas vous mettre. So moi, merci toujours. Ah, on est très diviseur des familles. Je préfère vous dire la vérité comme les traits des diviseurs pour ne pas qu'on vous mange. Ta maman est sorcière, je dirais qu'elle est sorcière. Sans peur. Si tu veux, vous me menacez. Mais je veux sauver des vies. That is impossible. Crie. Chien, c'est chien. Chat, c'est chat. Moi, j'ai trompé. Je dis non, tu ne devais pas dire ça comme ça. Mais il dit ça comment? Elle est sorcière. C'est tout. Au moins, chacun va prier. Où est chacun dans son corps pour prier. D'où vient ton problème? C'est ta maman. Ah, oui. Ah, tu m'as demandé, non? Et donne ma réponse. Mais il y a ces débats. Ah, tu ne savais pas, mais c'est pas qu'il ne savait pas qu'il donne la réponse. Tu n'as pas. Nous serons tous. Il y a une alliance avec évident. C'est ton papa. Ah, mon papa, lui-même, oui, oui. I say yes, your father. C'est parce que c'est Dieu. It's because of God. Qui est notre propriétaire. Et ils nous ont mis au monde. Donc Dieu, il y a des choses que Dieu ne permet pas souvent. But God cannot permit. Sinon, on a grandi parmi les sorciers il y a longtemps. On est dans sauce tomate, on peut bien manger. Longtemps nous a mangé avec un coup, nous. Oui, à Kassa, tout ça. Là. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Donc, le débat de la sorcellerie, pour qu'il s'entende. C'est ça qu'il ne permettait pas aux gens de donner à manger aux enfants. Et qu'ils connaissent pas. En Europe, on ne fait pas ça. Hein? Bon, ça se comprend, les enfants, même ils ont leur chocolat, ils ont leur diplôme. Non, aux enfants, là. C'est mort subit tout, ils ont des dents. On n'est pas obligé de déjeuner. Donc quand Tanti a peint, non pas même là, c'est juste une brique, on vous dit. On a mis de quoi manger. Bread. Et puis là, il y a ça, il y a Béry dans son ventre. Il y a Ténia. Nos enfants d'ici, là, Ténia dans leur ventre. L'eau là n'est pas potable. Au démarrer, quelqu'un qui boit ça. On va faire des vaches dans son ventre. Marmite, mais ça ne rassagit pas. Et n'a pas tu rien dit, mais toi-même là, tu mets le manger là où? Tu jettes ça ou bien? Que Dieu nous aide. Donc, aux enfants, c'est pas tout le monde qui doit donner à manger. Veillez tout ça, c'est ça. Mettez les enfants dans les bonnes conditions. Nous, on aime bonnes, on aime négliger les enfants. Les blancs, ils jouent pas ça. Mettez les enfants, si tu as mis un enfant, moi, c'est une responsabilité. Franchement. Vous m'avez saisi? C'est une responsabilité. Donc, il faut prendre soin de l'enfant. You need to take care of it. Sinon, il va te manger demain. If not, it can kill you. De croquer, quoi. Ayez le discernement. You must think before. C'est tout, c'est ce que nous montrons. Hein? Allez-y. Montrez. Comment on prie aux enfants? Le psaume 4, verset 9, par exemple, c'est un puissant psaume. Le psaume 4, verset 9, avant de dormir, demandez aux enfants de prier, montrez-les que ça soit comme un poilon qui prie. C'est un psaume puissant. Je me couche, je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est trop puissant. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. C'est une really good prayer. Vous m'avez bien saisi? Amen. Ne jouons pas certaines choses. Le diable agit, le diable c'est tout à l'œuvre. Maintenant c'est dans nos lycées, dans nos collèges. Si la chose se manifeste maintenant. On a entendu trop de choses horribles ici. À l'école comme ça, on donne manger, comme la jeune fille qui a tué sa camarade d'école, elle l'a tué. Amen. Que Dieu nous aide.